Ils sont près d'un million d'agriculteurs à cultiver un peu plus de la moitié du territoire. Premier producteur de céréales en Europe, de vin, de lait, de sucre. Comment travaillent-ils sur des territoires toujours plus réduits? Toujours riche d'une mosaïque de paysages ruraux uniques en Europe, l'agriculture française se trouve pourtant elle aussi forcée à la pulsation du XXIe siècle. Qu'il s'agisse des maraîchers de la vallée du Rhône, du bocage normand ou des grandes régions d'élevage, le paysage agricole français se recompose en permanence. La Beauce, par exemple, l'une des plus vastes plaines céréalières d'Europe, subit une profonde mutation. Si elle est invisible depuis le sol, l'altitude en révèle l'étonnante réalité. Ce qui serait quand même sympa, c'est de voir si on pouvait passer donc sur des lieux où les images ont déjà été prises, donc il y a 50 ans. Marc Benoît, chercheur à l'Institut national de recherche agronomique, étudie la situation. Son objectif, comparer le paysage aérien de la France des années 60 à celui d'aujourd'hui. La Beauce, c'est quand même la plus grande plaine agricole de France. Il y a deux grandes caractéristiques. On est dans un open field sans arbres, avec de petits bosquets, mais c'est vraiment une grande plaine céréalière et depuis longtemps. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on a des habitats qui sont très groupés. Ce petit village de Fins en dessous de nous est vraiment fabuleux. Il a tout. Structure beauceronne, maison de maître, silo, petite forêt, grand champ. Ce qui fait l'organisation des paysages, et c'est d'abord la taille et l'organisation des champs les uns par rapport aux autres. Marc survole les grandes fermes carrées, typiques du paysage beauceron. Que s'y est-il passé en un demi-siècle? Comparons ce qu'on y voit aujourd'hui avec des photos de 1960 des mêmes endroits. Ces trois fermes, par exemple. Sur la photo de 1966, on dénombre 126 parcelles de cultures différentes. La photo satellite d'aujourd'hui n'en révèle que 50. Ce remembrement de parcelles résulte d'une double évolution. Uniformisation des cultures et réduction du nombre d'agriculteurs de l'autre. La France est aujourd'hui cultivée par un nouveau type de paysan. 10h55, sud de Chartres, village de Villeneuve-Saint-Nicolas. Cette moissonneuse est lancée depuis 4 heures ce matin. Aux manettes, Yves Gauthier, ingénieur agricole, quatrième de sa génération sur l'exploitation familiale. En 2001, il emprunte aux banques pour moderniser la ferme de ses parents. Dans 10 ans, il devrait avoir tout remboursé. C'est toujours très, très stressant de récolter des cultures comme ça quand elles sont très à plat parce que on a des... ça demande une attention assez importante et on a toujours la crainte de casser quelque chose en prenant notamment un caillou. Yves travaille 200 hectares répartis autour de sa ferme et de son village. 200 hectares, ça représente 3 semaines de travail non-stop pour tout récolter. 3 tonnes de pois secs, 8 à 9 tonnes de blé, 12 tonnes de moisson en tout. Et pourtant, Yves constate une baisse du rendement de ses terres. Mon sentiment, c'est depuis les années 2000, on arrive un petit peu à la fin de cette ère de ce qu'on appelle de la chimie verte. On voit bien l'évolution des rendements qui plafonne. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des sols qui sont un petit peu à bout. En plus des sols qui s'appauvrissent, un autre casse-tête embarrasse Yves, la fluctuation des prix du marché. Entre le mois d'octobre où il sème son blé et juillet où il le récolte, les prix de vente peuvent évoluer du simple au double. Avant, plus on produisait, plus on gagnait notre vie. Aujourd'hui, le prix du blé, depuis 2008, depuis, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle un peu la financiarisation des marchés agricoles, on a une volatilité de prix qui est importante et que je dois gérer. J'ai l'impression qu'on est plus maître vraiment de ces cours de céréales qui sont un petit peu artificiels. Par le passé, la politique agricole commune régulait les volumes et les prix. Aujourd'hui, ce sont les marchés qui dictent les prix. Et Yves doit suivre en permanence les fluctuations des cours.
Bon, la météo fait que ce soir, ça va être chaud. Hein. Ils annoncent des orages vers 17-20h. C'est la loterie, l'orage. Par contre, j'ai regardé les cours, là, c'est plutôt bonne nouvelle, ça a remonté. On trouve le sourire. Par précaution, Yves a déjà vendu 40% de son blé avant moisson. C'était il y a 3 mois. Les taux paraissaient satisfaisants. Autre moyen d'éviter les risques, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est de rendre mon entreprise indépendante. Je fais du lin, je fais de la luzerne, je fais des contrats de semences qui là, sont avec des prix fixes et qui sont moins dépendants des marchés extérieurs. Donc, du coup, ça, je sécurise mon revenu. Thank you.